Alors, si les vendanges sont sur le point de commencer, on l'a vu, les moissons, elles, sont terminées dans la région centre. Les céréaliers en profitent pour se retrouver à Château-Renaud, au salon des machines agricoles, du plus gros tracteur à la moissonneuse-batteuse dernier cri. Reportage d'Olivier Bertrand et Antoine Morel. À chaque marque sa couleur, des américaines, des allemandes, une italienne, mais ne cherchez plus les bleues, les françaises, lâchez-vous à quelques années dans cette course à la puissance. Plus de 400 chevaux, se pilote presque avec le petit doigt. Derrière la coupe, son rendement et au confort aussi. Eh bien, on va retrouver bien sûr la peur, sur paille et sur vos séparateurs. Défiler des nouveautés avec très peu de fil en maillot, contrairement au salon de l'auto. La belle mécanique seule suffit à allumer l'envie. Vous avez des veines moissonneuses? Oui, mais une petite. Hein. La moitié ça? Oui, mais même moins que la moitié. Hein. C'est des grosses machines qui peuvent avoir des bonnes machines. Les machines présentées ici sont la plupart à plus de 200 000 euros. Donc c'est une matière très coûteuse. Et c'est pour ça qu'on invite les agriculteurs à travailler ensemble pour acheter du matériel en commun. Aujourd'hui, un agriculteur sur deux achète sa moissonneuse en coopérative à plusieurs fois. Et voici le grand test assez surprenant d'ailleurs, qui permet aux céréaliers de choisir sa machine. Ça fait quoi? Du blé. Des grammes blé derrière, mais bon, ça prenait de l'extra. Ah bah là, il y a déjà une partie, là, déjà, c'est pas du travail correct. Pour éviter quand même les trop pertes, C'est ainsi, même la plus moderne des machines doit toujours séparer le bon grain de la paille. Et plus elle gâche de blé, moins vous en avez. Conséquence à la dernière étape de ce salon, il vous faudra encore plus emprunter pour 7, 10 ou 12 ans, période habituelle de remboursement d'une moissonneuse.